Bonjour à toutes et à tous, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui les amis. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec Mafekat. On est prêt pour se faire un combat avec évidemment notre stuff qui tabasse. On l'a vu en PVM, ça casse des bouches. On l'a vu en PVP à 3, ça casse des bouches. Et j'ai envie de l'essayer en solo pour justement essayer de d'épater la galerie, si on peut dire, et tout simplement montrer que le FK n'est pas juste une classe protectrice, n'est pas juste un tank, soutien, retrait PA, cancer, tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est tabasser, être damage dealer aujourd'hui. Donc, je vais m'inscrire en colis, me voilà. Donc, avec le mode que vous connaissez, je vais vous le présenter, je vais vous le représenter vite fait. Donc, c'est un mode qu'on avait fait avec Sapeu. On l'avait fait en vidéo avec lui. Donc c'est avec la bague éthique, c'est ça la particularité du mode. Mode haut, avec 1200 de chance, donc c'est énorme. Donc vous avez Amulette de Chocotte, Anneau Volcan de PA, Alliance Bourson PM, Kiddy Bonnet 3%, Cap de la Dame du Hasard, donc c'est double item de la panoplie, cap et botte, et un Pagne du Ricaon, voilà, plus un bouclier 4 feuilles, et le familier, effectivement, voilà, c'est... Une pioute bleue, ou un pioute bleu, je sais pas comment vous dites, moi je dis une. C'est 120 chances, 40 dommages critiques, donc c'est clairement un mode qui est axé sur les docrits. On a le tutu pour ça, on a pas mal de docrits aussi, hein, si on regarde dans les détails. Tac, 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 dommages critiques, 103, donc en plus des dommages hauts à 100. Voilà, on tape vraiment beaucoup plus fort parce que la baguettique par exemple, ça a 3 lignes, donc forcément si on a beaucoup de dommages crit, ça fait beaucoup plus mal. On peut vraiment faire des dégâts assez monstrueux, et c'est ce qu'on va montrer hein, aux gens, que le FK justement, ça peut être une classe qui est damage dealer, hein, qui est pas simplement juste là pour se protéger. D'ailleurs, on mettait effectivement le glyphe d'excursion à la place du glyphe gravitationnel, qui est plus intéressant. Et on met la mise en garde pour vraiment taper, pour faire un tour de burst si jamais il y a besoin. Ça peut être vraiment cool. Donc voilà. Bon, on a trouvé un combat. Enfin, celui d'avant s'est annulé, donc j'espère que celui-là va fonctionner. Également, ce soir, je serai en live, donc n'hésitez pas à passer. Ça me ferait plaisir de vous y voir. En ce moment, je stream quasiment tous les jours. Et c'est vraiment une bonne période. Il y a le petit event et tout, c'est vraiment cool. Bon, est-ce que ça pourrait valider, s'il vous plaît? Combien on est à valider, là? 1 sur 6. Parfait. Il n'y a que moi qui ai validé. Ah non, c'est bon. C'est que c'est bugué, je pense. Bon, Sacrieur et Osamoda. Ok, très bien. Donc nous, on va vraiment être comme un damage dealer. Et en face, on a Sacri, Zobal et Pandawa. Donc diamant 1, diamant 3, diamant 5. Et avec moi, nous, on est cristal 4. Et avec moi, on a diamant 4 et diamant 4. Bon, bah super, let's go. Est-ce que rempart, je vérifie hein, que j'ai les bons sorts. La bulle, l'attaque nuageuse, la tension, glyphe, etc. Ok. Ok. Hello. Alors, attendez. Oula. Hello. Je suis full dégâts. Est-ce qu'on pourrait s'approcher? Je sais pas. C'est peut-être un peu dangereux. C'est peut-être un peu dangereux. On va pas se mentir. Bon, en tout cas, on va voir. Sacrieur au Samoda Feka, c'est quand même une compo horrible, hein, les gars. Je vais pas vous mentir. Regardez la PO que j'ai avec le mode. On 3 ivoires en face. Pas le Sacrieur chez nous. Ah, mais non, il joue en premier. Donc, ça, effectivement, on le voit pas, mais normalement. Ah non, il l'a pas, dans tous les cas. J'ai mis un mode Terre Soin, du coup. Ok. Terre Soin? What? Ok. Why not, après tout? Ah, il l'attire, c'est vraiment cool ça. Ah bah super ça, je vais pouvoir taper. Bah ouais, nickel. Ouais par contre, il peut changer de place avec lui. Ah super, il le fait. Le petit assaut, on y va. Mais moi je vais y aller, hein, franchement, je vais lui faire un maximum de dégâts dès le début. Oh, je peux même aller lui faire de double attaque nuageuse si je peux. On commence par une bulle, hein, toujours, même si... pour retirer le petit état, le petit ivoire. Ah mais non, il est retiré, je suis idiot. Bon, let's go. On va dire hello à tout le monde. Hello. Ok, donc le Zobal va pas le protéger, c'est un Sacrieur aussi en face. Pour l'instant, j'ai pas besoin de mettre de protection. J'espère que le combat va être sympa en tout cas. Et j'espère vous voir en stream ce soir, sur Twitch, bien évidemment. J'aurai des petits cadeaux là, je vous ai offert quelques petits havres sacs hier. Et c'était très sympa, donc voilà, n'hésitez pas à passer. Il y a 44%, je risque de pas taper très fort. Mais c'est pas grave, on s'échauffe. Si, ça va quand même, hein. 444 sur du 44%. C'est pas mal. J'ai pas vu sur ta chaîne, tu as pu tester la pierre de sang.
Non, pas encore. Non, pas encore. En tout cas, je suis en méga forme, les amis, je vous avoue, c'est la méga forme là. En plus, j'ai pas mal de fuites, donc si ma Wasta, normalement, je devrais pouvoir m'en sortir sans problème. C'est vraiment cool. Oula, mon chat qui a fait tomber mon téléphone, yes. Excellent, merci Cendre. Ça le fait marrer, il me regarde, il est tout content. Bon, ça, il a rien. Il y a coque et protection. Dommage, j'attends ta vidéo avec impatience. Ah oui, bah, effectivement, le Sacré-Cœur maintenant est un peu isolé. C'est un peu dommage. C'est pas trop grave non plus, parce qu'il va pouvoir revenir assez facilement. Oh, relais, c'est trop bien ça. Je savais pas que c'était sans ligne de vue ça. Je connais assez mal au Samoda. Hein. Surtout avec les refontes, enfin les variantes et tout, je connais vraiment assez mal. Allez, ça balance des bouffes tout, let's go. Ok. Bon, il va rester en petit dragon, en petit, petit os à terre. Soin, c'est vachement original quand même, terre soin. On va voir de toute façon ce que ça donne. Le Sacré-Cœur d'en face va jouer, après il y aura le nôtre, il pourra cop si jamais il y a besoin. Ah ouais, il s'avance, il rentre dans le lard. Ah, c'est vrai qu'il y a le plastron plus... enfin, plastron plus gri masque grimaçant plus ivoire, c'est assez compliqué. Bon, qu'est-ce qu'il nous propose notre ami Crawls? Est-ce qu'il va tabasser notre ami Sacrieur? Déjà, quel élément il est? R, ok. Il met en état pesanteur, donc il peut pas coop. Il joue bien, là. Il joue bien, c'est bien fait de sa part, notre ami Sacri. Et le nôtre, qui est du coup en état pesanteur, qui se fait un petit peu attaquer. Ah, ça c'est pas mal. Surtout qu'il va pouvoir détacler, donc ça c'est vraiment cool. Ok, désolation, donc il est R aussi, hein. Les deux sont R. Ok, il a raison de se mettre là, j'hésitais à lui dire, mais l'avantage... La map est super grande, ah ça c'est vrai. L'avantage c'est que je vais pouvoir le taper, le panda, je vais pouvoir continuer dessus. Il va le protéger un petit peu, je pense qu'il va lui mettre... Ah, il va mettre le plastron, ouais. Ça fait chier, mais c'est obligatoire là. Et le panda joue juste après moi en termes d'initiative, c'est assez horrible les amis. On va pas se mentir, c'est assez dur. Bon, je vais continuer à taper. On va donner tout ce qu'on a. Je pense qu'on va vraiment se booster. Qu'est-ce que j'ai d'autre de mieux à faire? Je pourrais faire ça, double bulle. Maîtrise. Ou est-ce que je fais tension, bulle, glyphe d'inhérence? Ouais, c'est mieux ça, on va full taper, hein. Je crie pas! Là, 496, du 500 sur 44%. C'est vraiment pas mal. On a tombé le plastron, ça c'est plutôt cool. Alors, notre sacré, on va pas taper des masses hein, au final. Hein. Donc, bah, je sais pas trop, on va voir si ça va être le dommage dealer. Il debuff, ok. Après, c'est vrai que je pourrais glyphe d'excursion. Si je voulais. J'ai aussi le renfort. Ouais, c'est assez compliqué là, mais le renfort, j'ai de la PO, donc je vais pouvoir m'avancer assez facilement. Il est taclé, il va devoir libérer. Bon, ça va le faire quand même, ça va le faire. Bon, le tonneau qui attire le panda est vraiment caché, voilà, il va libérer, c'est ce que je vous le dis. Le temps que tu prépares ton jeu au Samoda, ouais, c'est vrai qu'il doit le préparer. C'est vrai qu'on est assez loin également, hein. Il va replacer un Mouftou blanc, je pense. Ah non, des crapauds, d'accord. Ah oui, d'accord, ok, il le passe en Mouftou. Avec le petit remplacement. Le baume protecteur, et il va m'attirer, il peut m'attirer. Non, il attire le Samoda, d'accord. Bon, le Mouftou noir qui va aller taper un petit peu le masque. Ce sera toujours quelques petits dégâts. Voilà. Le Sacrieur qui va, à mon avis, faire très très mal à notre ami Sacrieur, justement. Mais bon, il pourra pas le mettre pesanteur. Et du coup, nous, on aura... Ah ouais, il attire le Mouftou, là, du coup? Non, il fait le sacrifice. Ok. Qu'il a fait le sacrifice sur le panda. Ok. Bon, on le sait maintenant. Il a le sacrifice sur le panda. Il a 47% de résistance, mais c'est un enfer. Ils ont 32, 44 et 47 en haut. Oh là là, c'est horrible. C'est atroce, les amis. Non, mais vraiment, c'est atroce pour le coup. Il repasse en union animale. Ouh! Il est à l'archétype.
Du coup, ça y est, on sait pourquoi il est soin. What the fuck? En plus, ils ont pas d'érosion en face. Non, mais lol. What the fuck? Excellent. Excellent, excellent, les amis. Est-ce que je maîtrise? Maîtrise, il me reste 11. Je peux faire bulle, tension, cac. Maîtrise, bulle, tension, cac. Ça me semble correct. Surtout qu'il est encore protégé, l'Osamoda. Ça devrait aller pour l'instant. Il va détacler ou pas? Ok, allez. Ok, bah il vient vers moi, c'est encore mieux. Je vais faire la tension en face du coup. Non, sur le côté, c'est mieux pour les Dopu. Ok, alors. Maîtrise. Bulle. On espère que la tension le tue. Non, ça tue pas, mais le cac de toute façon. Voilà, bah passer au-dessus! Excellent, 890. Ça y est, là on commence à taper. Vous le voyez là, les dégâts. Là, on est plus satisfait. Sympa le Rox. On est là pour ça. Et le mec a 30% de résistance. On lui met du 890 alors que le premier coup passe en divisé par deux, quoi. Trop content. Trop content. J'espère qu'ils ont pas trop de soins. Ils ont le sacrifice quand même. Oh, quel enfer. Oh, cette compo des enfers, les amis. Ça va être horrible. Je m'en fous, je serai là pour Roxer. Oh, quel enfer. Bon, ça se fait, mais bon, comme il y a le plastron et tout, forcément, c'est assez compliqué. Ce combat va être long. Ce combat va être très long. Ah, il l'approche en plus, le Samoda. Ok, donc nous, on va se booster au tutu. Donc, on a 14 PA. Donc, on peut bulle. Bulle, glyphe itinérance. Il restera 9. Tension, cac. Oh là là, les dégâts, les amis. Allez, faux crit, par contre, cette fois-ci. 1433, allez. C'est ça que je veux voir, c'est des dégâts comme ça que je veux voir. Aïe. Oh là 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 là. Si j'avais crit à la tension, regardez. La tension elle a fait du 631 plus les 120 d'opou. C'est impressionnant. Ça change d'effet carré de PA. Exactement ce que je voulais entendre, là ça fait plaisir. Là ça fait plaisir. Ah là là. Bon, le panda va avoir difficulté je pense à vouloir vraiment... En fait, il va même pas pouvoir tuer le Bouffetou peut-être. Ah non, il va le porter du coup. Ah, il va se stab, il va le porter. Ok, bon. On va devoir attendre encore un petit peu de temps. Mais... Ah, il pourra pas le finir, je crois. Ok. Invulnérable en mêlée, ok. Ah ouais, il fait tout pour le protéger, là. Ouais, surtout qu'il est invulnérable en mêlée, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais insoignable. Ok. On le bouffe tout. Est-ce qu'on essaie de clean les invoques? Je sais pas, hein. Il va le mettre en état pesanteur. Allez, vous voyez, franchement, je suis le damage dealer de la team. Ça fait trop plaisir. Bon, alors, c'est à moi de jouer. Let's go. Je vais peut-être pouvoir faire un truc sympathique. Allez, on fait la même chose que tout à l'heure. Donc, on a... on pourrait faire attaque nuageuse, cac. Et je pense que ben, c'est plus intéressant de faire glyph itinérance. Quoique, on n'a plus le boost. Donc, on pourrait voler des stats. Ouais, ça pourrait être intéressant. Allez, on espère qu'on va faire des crits. Allez. Ouais, pas de crit, et là, non, pas de crit non plus, donc là ça fait beaucoup moins mal quand on fait pas de crit, ça c'est sûr. Et le panda va de nouveau pouvoir venir le porter et le chercher. Donc bon, le sacrieur pour l'instant est un petit peu protégé, mais pas des masses non plus. Il a toujours, non, il a plus le rempart, malheureusement. Bon, il reste très peu de vie à notre ami sacrieur, mais il s'en sort un petit peu pour l'instant. Je sais pas trop ce que je peux faire parce qu'il a vraiment très peu de points de vie, notre ami. Hop, on va le protéger avec un bastion, je pense. Et on va taper tout ce qu'on peut. Donc, c'est-à-dire ça, glyph d'itinérance, je pense. Et coup de cac, si on peut lui faire un bon coup de cac, ce serait pas mal. Voilà, 1228, ça fait plaisir. En tout cas, ce combat est interminable vu que le panda est en mode soin. Le sacrieur protège, le Zobal se met des protections aussi. Mais pour l'instant, c'est en tout cas très difficile de finir des deux côtés. Ah, il va le soigner encore une fois. Vous voyez, c'est vraiment dur. Hein. Ça fait 33 minutes que ce combat a commencé. Bon, j'essaye de faire des petites parties, hein, de pas tout vous mettre. Mais en tout cas, vous voyez que c'est assez difficile. Hein. 1062 soins. C'est long, c'est vraiment long pour le coup. Ok, le cœur de dragon, il est soignable. Ok, il va lui faire un petit dragonnet albinos. Donc voilà, il va soigner encore en plus. Oh là 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 là. Quel enfer.
Des deux côtés, c'est l'enfer, les amis, c'est vraiment l'enfer. J'espère que je vais sortir victorieux de ce combat, mais c'est vraiment très 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 long, je vous l'assure. Et pourtant, on a vraiment baissé le Zobal, hein. Regardez sa Vitamax, comment j'ai tapé dessus. Mais là, vraiment, c'est horrible, j'arrive pas à faire, enfin plus à faire des tours. Bon, ben voilà, sacrifice qui est relancé, et ainsi de suite. Je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment très très difficile. Bon, le Sacrieur va pouvoir de toute façon se soigner de nouveau. Là, il a le Bastion, donc il va pouvoir se faire taper au corps à corps. Mais ouais, voilà, les deux sacrieurs sont en mode air tanky, donc voilà. On go panda? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Non, non, on continue. Ouais, je sais pas si on peut le debuff, effectivement, ça aurait été pas mal, mais bon. C'est vraiment compliqué pour le coup, là, c'est vraiment extrêmement compliqué. Ça y est, on va basculer sur le panda maintenant. Ok, il se soigne un petit peu. Ah, une punie, première punie qu'il lâche du combat, 1000, c'est pas mal. Sur du 33%, c'est même très 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 correct. Fallait rester près de moi, je pense, parce que le Zobal va vouloir. Voilà, plastron de nouveau. Là, il peut pas. Enfin, il n'y a pas d'intérêt à le faire ici. Ah, ils vont taper l'Osamoda, d'accord. Je vais libérer du coup, moi. Est-ce que je mettrais juste un bouclier Fekka sur. Je pourrais faire ça, bouclier Fekka l'autre. Ouais, on va faire ça. Bouclier Fekka. Non, j'ai pas la PO. Donc on va faire bulle, glyphe d'itinérance et cac. Pas de crit, dommage. Faut vraiment faire des crits, il est à 1400 points de vie. Il est assez low. Il va pas pouvoir tuer le Sacrieur, je pense, pas encore. Pas de crit sur le cac, exactement. Il est vraiment feu soutien ce panda, donc ça fait vraiment. Il tape pas super fort, hein, c'est. Et le Sacrieur au final non plus. Donc c'est vraiment le Zobal qui fait les dégâts. Moi c'est pareil, le Samoda tape pas. Le Sacrieur tape un peu, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas énorme. Donc voilà, il y a plein de. On essaye, hein, de faire des dégâts depuis tout à l'heure, mais voilà, c'est long. Donc ça va durer encore un petit peu, je pense. Bon, c'est au tour du Zobal, les amis. Il a pas mal de PA. Je pense qu'il va aller sur l'Osamoda. Ils vont vouloir changer un petit peu de stratégie. Je pensais qu'ils allaient mettre le plastron ou un truc comme ça, mais non, hein, il veut vraiment focaliser voilà, ses dégâts sur l'Osamoda. Il a raison d'un autre côté, hein. C'est pour ça que je vais faire maintenant Umi faux crit. Bon, effectivement, je pense que je peux quasiment tuer le panda. Et on va voir de toute façon les dégâts qu'on fait. Donc on commence avec la bulle, bien évidemment. Pas de crit, ça commence très très bien. Après, on peut commencer par cac aussi. Pas de crit. Voilà, ça fait. Au moins, on est réglé là-dessus. Et on va faire. Hop, on va faire ça. Hop, et on va lui mettre même un bouclier Fekka, je pense. Je crit pas! Donc, malheureusement, c'est pas ouf. Sérieux, ouais. Je critais tout à l'heure, mais là, je crit plus, les amis. C'est horrible. D'un autre côté. Ah, il va vouloir aller le debuff, je pense. Oh là là. Ouais, c'est ce qu'il va faire. Il va le debuff, je pense. Il va aller debuff le Samoda. Il aura toujours le rempart. Mais ouais, il aura plus le bastion, quoi. Le barricade. C'est assez chiant. C'est vraiment assez chiant. Leur compo est vraiment hyper solide en vrai. La nôtre aussi! La nôtre aussi, la nôtre aussi. Soin toi, ouais, je sais pas s'il va pouvoir. Hein. Il a toujours le bouclier Fekka aussi en fait. Ça va être un tour très important en fait. On va voir ce qu'il décide de faire de toute façon. Il peut aussi continuer d'aller sur le panda. De toute façon, le Zobal ne sait plus sacrifier au tour. Ok. Une petite onde aquatique. Il reste 4 PA. Il va aller se mettre derrière, je pense. Voilà. Ok, bon, on s'approche de la fin quand même, au 11e tour les amis, on s'approche tranquillement de la fin. Heureusement que je vous mets un condensé, 40 minutes de combat, déjà que je devais lancer le live à 21h, je m'étais dit, bro, de toute façon, tranquille. Pas du tout tranquille, oui. Il reste 339 points de vie au panda. Et moi j'ai pas crit, j'aurais crit, ça aurait été... j'ai zéro soin sur moi. Oui, voilà, c'est ça. Après, l'Osamoda peut tomber. Ça peut être faisable. Parce qu'il a la cope, le Sacrieur. Il est quand même bouclier Fekka et rempart. Hein. Ah non, il est juste bouclier Fekka. Le rempart. Parce qu'il l'a debuff. J'ai rien dit. Il a juste le bouclier Fekka. Ok. Donc là, il peut s'avancer. Il peut
assauts, il lui restera 7. Il a pas de pupu. Je pense pas qu'il le tue même avec une mantache. Il a 38% air et 73 fixe. Non, non, il me finit pas. Non, 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 non. 73 fixe, fixe plus, plus bouclier FK. Non, 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 il tue pas, il tue pas. Ouais, il tue pas du tout même. Allez, Sacrieur, il a la punition. On va aller sur le... Et il faut sacrifier un si peu. Fini Dada si tu peux. Ouais, il a la punition. Bon, il va la faire, je pense. Hein, pour assurer le kill. Non, même pas. Il le tuait à la désolation. J'ai rien dit, du coup. Et il peut faire un transfert de vie ou un sacrifice. Voilà. Ça peut être très bien aussi. Et je sais pas s'il a émeraude. Ah, il a déco. Il a déco. Bon, après, c'est normal qu'il déco. C'est normal, c'est normal. Il est mort. De toute façon, on peut pas le... Il y a aucun de Samoda. On peut pas le ressusciter. Donc, c'est pas du rush kit. Je pense qu'il doit aller manger ou faire un truc. Mais il a déco. Et nous sommes à 1. Kill sur les 3, c'est déjà bien, c'est déjà un bon début. Et moi je vais enfin pouvoir enchaîner mes petits dégâts. Là je suis à un tour où je vais taper, hein, je pense. Personne ne m'a tapé du combat quasiment, les amis. Vraiment quasiment personne ne m'a tapé du combat. Et ça, ça fait vraiment bizarre. Mais c'est vrai. Ok, donc il a 1800 points de vie, le Sacrieur. Je peux pas plus protéger de toute façon. Et lui par contre, le Zoba, je le défonce, hein. Let's go. Tac. Après je peux faire... Ah ouais non, je peux pas. Je peux faire tension, bulle, cac. Ouais c'est ça. Allez crit s'il te plaît le jeu. Oui, j'aurais dû faire le cac avant parce que si j'avais crit j'aurais tué. Ah là 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 là. Et Ziggs qui déconnecte. 43 minutes de combat, regardez-moi ça. Le FK qui est le damage dealer de l'équipe, incroyable. Ça retire en plus l'état insoignable. Oh là 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 là. La fougue qui était passée. Qui n'aura pas suffi. n'aura pas suffi. Ok, nice work, gentlemen. Eh ben écoutez, même si c'était très difficile. Difficile ce combat. J'en perds mes mots. J'en perds mon latin. C'était quand même plaisant de voir le FK mettre des sacrées patates. Alors que les mecs ont des résistances en face, hein. C'est ce mode tabasse, vraiment, c'est impressionnant à quel point je fais des dégâts. Et je suis très satisfait parce que même eux ont dit « aïe » en pensant aux adversaires, donc ça veut dire que vraiment, il est là pour taper ce mode. Bon ça y est, le focus est fini là. Non vraiment, très satisfait. Bon il y a le renfort qu'on peut utiliser à la place de la libé. De toute façon c'est à notre sacrieur de jouer. Ah là, là ça, vraiment ça fait plaisir, je vais mise en garde et tout là. Il va m'assaut je pense. Transfert de vie. Non il m'assaut pas. Il va juste taper de toute façon. Ah si il va faire... Ah non il est pesanteur. Ouais voilà. C'est bien qu'il le mette à distance pour moi. Que je puisse taper, il a la punie de toute façon. Il va faire une petite pupu. Allez let's go. 595 avec le renvoi. Bah écoutez on va faire ça. Et du coup on est reparti avec le renvoi effectivement. Oh ça fait zéro dégâts. C'est vraiment impressionnant. Ça fait zéro dégâts. 436. Mais what the fuck. Avec la réduction et tout c'est horrible quoi. Oh là là, le dommage subi 75 il fait mal hein. Ah il va faire un coup de cac sous sous dragon. Il va soigner à 3 millions. 875 et plus les dragons. Donc ouais c'est... Il est en mode terre-feu hein. Vraiment c'est original pour le coup hein. C'est assez original. Qu'est-ce qu'il va nous faire le petit dragon là? Il va juste soigner après hein. On est d'accord hein. Il va juste soigner son propre Samoda je pense. Ah non il soigne le Sacrieur. Je sais pas s'il pouvait le faire sur son... Sur son Osa mais en tout cas là le Sacré va quasiment le tomber non avec une pupu. Que je dise pas de bêtises. Il devrait tomber là, quasiment. Il va jouer jusqu'au bout, hein, je pense, le Sacrieur. Ouais, il va essayer d'aller... Ouais, il va essayer d'aller sur le ça, hein, voilà. Fulgurance. Après, il est sacrifice. Ouais, encore un tour. J'ai rien dit. Donc la pupu, c'est le Sacrieur qui va la manger. Et surtout qu'il y a la protection de moi-même. Donc ça, c'est plutôt bien. Bon, je vais avoir mes PA, surtout qu'il m'a pas touché normalement ce tour-là, je crois.
Je devrais pouvoir proquer un émeraude, il me semble. Il m'avait tapé le tour suivant, mais là, il m'a pas tapé, donc... je vais me mettre sur le côté, hein. J'ai 14 PA, donc on va maîtrise. Hein. Maîtrise. Et du coup, là, on fait... ça. J'aurai 6 PA, donc j'aurai bien de quoi le faire, la tension sur le côté. Tension! Pas de crit, et le cac, crit s'il vous plaît! Ah, pas de crit sur la fin, c'est horrible! Je ne fais plus de crit, les amis. Plus de crit du tout. C'est dommage, hein, parce que j'ai fait des tours hyper impressionnants. C'est vrai qu'on est pas mal dépendant de... Bon, après, alors, qu'on soit bien d'accord. Je viens de mettre 450 de dégâts sur 47% de résistance, plus 40 fixes. Donc, c'est déjà beaucoup, quand même. Mais, attention... Le fait que je fasse des crits, effectivement, augmente énormément mes dégâts. Mais il a quand même 50% de reste, quoi. Voilà, c'est tout. C'est pas non plus des dégâts ridicules. Allez, Umi, mets ton co-culte, joue pas en pute. Pour que je fasse plus de crits, parce que là, effectivement, c'est affligeant. Je fais pas de crits alors que je fais 50%. J'ai exactement 48 crits, quoi. 43 crits, 43. J'ai 43 crits plus ceux de base des 5%, donc je suis à 48% sur la baguettique. Hein. Donc, voilà. Non, pas sur la baguettique, je suis à plus, alors. C'est à 20%? Eh ben écoutez, je crit jamais. Hein. C'est tout. Hein. Pourtant, j'ai vraiment 43% de crit. Enfin, 43 crit. Hein. C'est beaucoup trop. Ah ouais, il a déconnecté. Bon, en tout cas, les trois ont déconnecté. GG à vous. Je vais dire GG, même s'ils sont tous absents, s'ils voient la vidéo. GG à eux aussi. Hein. Franchement, c'était très difficile. Le combat était très dur. Très long, une composition. 50 minutes de combat. Heureusement que je ne jouais pas 50 minutes de combat sur ma chaîne. Hein. Mais en tout cas, enfin, ça peut arriver hein, pour des tournois, des perco time, des trucs comme ça. Mais là, je vous avoue que pour un colis... Mais bon, je suis quand même satisfait. C'était pas 50 minutes perdues, on a gagné. Par contre, eux, on s'est jamais perdu vraiment. Mais quand même. J'aurais dit GG à eux quand même, parce qu'ils ont été très sympas. Franchement, ils ont été super cool. Ils ont été vraiment sympas. Ils ont pas été méchants en plus avec les adversaires. Non, c'était vraiment très sympa. Donc j'ai dit 50 minutes, mais c'est 42 minutes, c'est juste que j'ai filmé la petite intro avant. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un excellent moment. N'oubliez pas de liker, effectivement, c'est le cas. Passez sur le live ce soir, et sinon à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous aime. Bye bye tout le monde, portez-vous bien.